Moi, j'ai du puits. Vous avez vu Ubuntu, hein? Alors, dites-moi où vous avez trouvé ce portefeuille. Je vous l'ai déjà dit, en Turlé, hein. Et vous l'avez tué où? Je me souviens plus. Vous voulez pas me le dire, c'est ça? Si, si, mais j'ai oublié. Posez-moi une autre question. Vous m'embarquez, c'est rien. Mais si, je sais. Posez-moi encore des questions. Ouais. Attendez. Ça y est. Je me souviens. Deux secondes, merde! Ah putain, le message est de merde. Pas de fille. C'est génial. On sait plus le mérimer. Ça va. Ça va aller. Ça va aller. Flo, non. Écoute-moi. Écoute-moi, c'est pas Léa. C'est pas Léa. Je disais pas parce que je voulais te protéger. Ah oui, mais moi je veux pas que tu me tiennes à l'écart comme ça. Même si c'est pour me protéger. Tu te rends pas compte, c'est encore pire de penser que tu me caches des trucs. J'ai rêvé d'Ia cette nuit. Elle me souriait. Quand Nicolas a appelé, je savais que ça pouvait pas être elle. C'est absurde, non? Ah non, c'est pas absurde. Mais c'est peut-être un signe, alors. Je suis sûre que c'est un signe. T'as raison. C'est toi qui as raison. Faut garder confiance.
La fille qu'ils ont retrouvée, on sait qui c'est? Non. Pas encore. Heureusement que t'es là, je sais pas comment je tiendrai. Bon, tu pars. T'as toujours été le plus résistant de nous deux. Et puis t'as flou. Mais j'en peux plus tu mentir comme ça. Mais elle est si soulagée, tout à coup je sens qu'elle reprend espoir. T'as bien fait de pas lui en parler. En plus, ça n'a aucun rapport avec Léa. Je suis sûr que cette femme l'avait reconnue sur la photo. Si ça m'avait un lien avec la disparition de Léa. Léa, c'est une pute. C'est un règlement de compte entre elle et son Mac ou une passe qui a mal tourné, c'est tout. C'est votre premier canal? Non. Si. Bien. Il y en a un deuxième. Ah bon? Pur face à l'impureté. Tenez-le. Le téléphone de Léa Morel. Oui, j'ai déjà vu ce portable, oui. Il était dans le sac. Dans le sac, vous avez trouvé le portefeuille? Oui, le sac de Léa. Alors, je l'ai tué, j'ai laissé le cadavre sur le chantier, j'ai pris le portefeuille dans son sac et puis je l'ai enterré. Je vois. Vous l'avez tué comment? J'ai fait une piqûre de somnifère et puis après je l'ai étranglé. Dites bien à ses parents que Léa n'a pas souffert. Hein. Est-ce que je vous dis que c'est moi qui l'ai tué? Je suis même pas fou, mais c'est moi. J'ai tué Léa, je vous dis. Je l'ai tué. Je sais tout tué. Il fait flipper ce mec. Il est inoffensif. Dingue, mais inoffensif. En tout cas, soit Star a mis une portable dans le sac de Jenny, soit Jenny est impliquée dans la disparition de Léa. Vous en pensez quoi? Je sais pas. Les premières constatations indiquent que la mort est probablement due à un coup violent sur la tête. On voit nettement la plaie, là. Est-ce qu'il y a des traces de piqûre? Des traces de shoot, oui, sur les bras. Plutôt anciennes, d'ailleurs. Sinon, rien de spécial à première vue. Dupuis a dû trouver Jenny déjà morte et la broder. Vous pouvez commencer, crème. Revenez-moi dès que vous aurez les résultats de l'autopsie. Bien sûr. C'est bien à elle que vous avez parlé à Miribel avant que son Mac vous agresse. Vous l'avez revue depuis? Non, je ne l'ai pas revue. Est-ce que l'un ou l'autre a vu traîner cette femme près du restaurant ou dans le quartier? Non, jamais vu. Non, moi non plus. Certain? Certain. Bon. J'ai quelque chose vous revenez la concernant. Rappelez-moi. Tout d'un coup, t'as décidé de lui rendre sa liberté, comme ça? Oh, vous allez pas me couler ça sur le dos. Jenny m'a filé sa prime de départ. Tout était réglé entre nous, ok? Combien, la prime? Secret professionnel. En tout cas, je sais pas d'où sortait tout ce pognon.
Parce que vous savez, Jenny, c'est pas une gagneuse de compétition. C'était. En revanche, vous... gros potentiel. Ton café. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Ça va? Ça va, bonjour, ça va? Ça va et vous? Je vais vous mettre à la 5 et 6. On viendra à tour de rôle avec Jean. Comme ça, on mange un peu avec vous. Hé, j'ai vu quelqu'un aujourd'hui. Comment ça, quelqu'un? J'ai vu une voyante. Elle m'a confirmé ce que j'ai vu dans mon rêve, Léa est vivante. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Ça va, Zoé. Il y a un poisson ce midi, ça vous dit? Ah, moi aussi, ça va. Ouais, c'est quoi? De la frite. Ah, parfait, ouais. Ouais, moi aussi. Toi, je te fais une assiette de frites. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu les adores, les frites de tonton? Vas-y, fais-lui une assiette, ça va bien. Ouais, ouais, ouais. Et toi, comme d'hab? Ouais, comme d'hab. Bonjour tout le monde. Oh. Bonjour Florence. Bonjour. Non, non, pas là, c'est la place de Léa. On va vous mettre des chaises. Nicolas. Du message de Léa. Il galère pour sortir les paramètres. J'ai mis le rapport sur le portable de la petite sur votre bureau, avec une clé USB qui contient les photos du téléphone. Ouais. Et l'analyse vocale? Toujours pas. Merci. Aucune empreinte, un parcelle de Dupuis. Alors la boîte vocale, regardez. Rien qu'on connaisse déjà. Les SMS. Message de Chris, Romain... Par contre, c'est bizarre, il n'y a aucun message antérieur à une semaine avant sa disparition. Il a peut-être perdu ou changé de téléphone. Ah bah non, il y a des photos qui datent d'au moins un an. Non, si elle a effacé ses anciens messages, c'est qu'elle avait une bonne raison. Celui-là, là. Je raccompagne Elodie et je reviens. Message de Nicolas, le 22 juin, à 2h30. La nuit de la disparition. Nico! Quoi? Tu vois bien que j'ai pas fini, non? On se rejoint là-bas direct, ok? J'en ai marre d'arriver seul partout! Je comprends pas, j'ai l'impression que ça te dérange qu'on nous voit ensemble. N'importe quoi, t'es parano, quoi! On n'a pas les mêmes horaires, c'est tout! Bah, ok, bah j'attends tes finis alors. De toute façon, tu sais quoi, j'ai pas envie d'y aller. Ça tombe bien, j'ai quelques questions à vous poser. Avec Elodie, on a quitté le club un peu après 2h. Je vous l'ai déjà dit et Elodie l'a confirmé. C'est ça qui est curieux, il y a plusieurs personnes qui affirment vous avoir vu au City vers 3h. À 3h du mat, en boîte de nuit, il n'y a pas grand monde qui est capable de dire qu'ils ont vu et quand. Si Nicolas est retourné au City, je suis sûre que c'est parce qu'elle lui a demandé. Qui elle? Léa. Elle n'arrête pas de tourner autour de Nicolas, ça l'amuse de le faire marcher. Je l'ai bien vu avec lui l'autre soir. Nicolas était allé au bar pour nous rapporter des boissons, mais il n'y revenait pas. Et puis je les ai vus ensemble. Léa était tout près de lui, elle le collait, elle lui parlait. Bien sûr, quand je les ai rejoints, bah, elle s'est désintéressée de lui pour aller voir des copains. Vous êtes allé vous coucher après? Oui. Lui, il a lu et moi, je me suis endormie tout de suite. Vous l'avez pas entendu se relever? Non, j'ai dormi d'une traite jusqu'au lendemain. Et je m'en souviens parce que ça m'arrive jamais. Moi, j'ai vu la bande-annonce, ça a l'air super. Ah bon? Attends, tu commences par quel bras là? Tiens, prends tes pop-corns. Voilà, tu veux que je vienne avec vous? Ah non, non, ça va, t'embête pas. C'est juste pour lui changer les idées, non? Ça m'embête pas, au contraire. Moi non plus, j'ai réservé. Je pense que ça va être complet. J'ai pris que deux places. On y va? Allez, où? À tout à l'heure. Salut. Thomas! Oh. Tu reviens à la maison? Non, pas tout de suite. Mais tu seras là pour la fête de l'école, hein? Je te promets. Allez, on y va, nous. On est en retard. Allez, chérie. Je comprends.
comprends pas pourquoi les flics s'intéressent encore à Nicolas. Je l'ai jamais senti, ce mec, de toute façon. Tu vas rester combien de temps chez Audrey? On a besoin de toi à la maison. Mais je pense pas que maman ait besoin de moi, au contraire. Ta mère t'aime, Thomas. Je sais que c'est dur entre vous en ce moment. Elle est terrifiée, elle n'est plus elle-même. Ça va passer. Tout va revenir comme avant. Ouais, et s'il y revient pas? Elle va revenir. Les analyses de la voiture du serveur, je les veux demain matin, dernier quart. Oui, mais attendez, on a même pas encore commencé. On est dimanche. Attendez, il y a une gamine qui a disparu depuis 9 jours. À ce stade, on a que 15% de chance de la retrouver vivante. Alors votre dimanche, j'en ai rien à foutre. Ah, ok, on s'y met. Merci. Ça va? Ouais. En fait, j'ai mis utiliser des pseudos pour ces clients réguliers, donc il va falloir interroger les opérateurs. Il me faut un nom en face de chaque numéro de ses contacts, on sait jamais. Ok. Tu peux me faire ça vite? Tout de suite. Super, merci. J'ai adoré le méchant. Il était super drôle, le méchant. C'est pas un vrai méchant, c'est juste un dessin animé. Merci. Ben, c'est pas ce que tu voulais? Si, si. Hé, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu dis rien depuis tout à l'heure, là. Ça va? Célia, elle est morte. Non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Qui c'est qui t'a dit ça? C'est Louise. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Louise? Elle a dit qu'on avait trouvé une fille morte et elle a entendu ses parents dire que ça pourrait être Léa. Non. Regarde-moi. C'était pas Léa. D'accord? Ils ont retrouvé quelqu'un, mais c'était pas Léa. Je te promets, chérie. Tu me crois ou pas? Allez, on va manger le gaz. Mon dîner est prêt, hein? J'ai pas faim. Elle me manque trop. C'est... Essayer de prendre plus de temps pour être avec toi. Ça va s'arranger, je te promets. T'as laissé un message à Léa? Je peux pas entendre ça, ouais, c'est trop dur. Mais c'est important. Hein. Dis-lui que tu conseilles. Bonsoir. Ça s'est bien passé? Qu'est-ce qu'il y a là? Non. J'étais à côté. J'en prie. C'est pas mal ici. Un peu dépouillé, mais c'est pas mal. Maman refuse que je me fasse faire un piercing. Tu peux dire quelque chose? Ta mère a raison. Moi aussi, je suis contre. De toute façon, ça peut pas être pire qu'avec moi. Tu veux voir quelque chose? Non. On attend en bas. Ah. Ouais. Bon bah, salut. Une autre fois, peut-être? Ouais. Une autre fois. Garnier se présente, vous l'accompagnez dans mon bureau pour qu'il prenne les deux sacs poubelles. Bleu. Ok. Merci. De rien. Mmh.
Chris, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre Léa et Nicolas? Léa s'est laissée embrasser par Nicolas un soir, mais c'était juste comme ça, pour s'amuser. Et elle lui a bien fait comprendre qu'il n'y aurait rien entre eux. Et c'est tout. Nicolas, lui, il a persisté et il lui a envoyé des messages. Et un jour, il l'a coincé dans la cave à vin, mais Léa l'a rembarré. Mais comment ça, il l'a coincé dans la cave à vin? Mais putain, mais je lui ai cassé la gueule, ce petit con. Chris, pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Je sais pas, c'était il y a quelques mois, et puis, enfin, il avait l'air d'arrêter, du coup, je me suis dit que c'était pas important. Bon, allez, viens avec moi, la police, tu vas le redire. Ah, non, non, tu vas redire ça à la police, je te dis. Non, mais je vais pas causer de problème à Nicolas, il y a rien eu de grave. Si Nicolas n'a rien fait, il risque rien. Tu répètes juste ce que tu nous as dit, c'est tout. Désolé. Et Flo, ça va? Je crois qu'elle perd pied. Pourtant, hier, je l'ai trouvé bien. Tu sais pourquoi? Parce que elle est allée voir une voyante. Florence? Alors l'autre lui dit que Léa va revenir, que... Enfin, elle croit tout ce qu'elle lui dit, moi, ça me fait peur. Sur nos fréquences. Ah bon? Et c'est plutôt bien fait pour un amateur. Sinon, on a trouvé plusieurs cachets tranquillisants sous un périssol et d'autres dans la boîte à gants. Quel genre de tranquillisants? Le genre qu'elle sent dans le bœuf. On les envoie au labo. Ouais. Tenez, merci. Et ça, sous le siège conducteur. Regardez le fond de craie. J'ai rien à me reprocher. Tu coinces Léa dans une cave. Ton autoradio est branché sur les fréquences de police. Vous avez fouillé ma voiture? C'est quoi les tranquillisants dans ta boîte à gants? Ça à moi, vous pouvez vérifier auprès de mon médecin, j'ai des ordonnances. On va le faire. Bon, pour la dernière fois, est-ce que tu reconnais être retourné au City? Oui, mais j'y suis à peine resté 5 minutes. C'est Léa qui t'a demandé de revenir? Non, c'est juste que j'avais pas envie de dormir, c'est tout. Pourquoi tu lui as envoyé un texto là? Je sais pas, parce que j'avais pas envie de me retrouver con tout seul là-bas. Ouais, pour être sûr qu'Elodie se réveille pas, hop, un thé calmant dans son verre, c'est ça? Mais ça va pas, j'ai rien donné à Elodie, moi. Écoutez, je suis retourné au City. Léa était déjà partie, je suis rentré, c'est tout. Non, non, c'est pas tout. C'est quoi ça? C'est bon. C'est une surprise pour son anniversaire. C'est bien plus? Tu peux le temps de lui donner. Tu vois, à un moment donné, il faut convoquer les parents et voilà, faut voir avec. Bonjour. Bonjour, la maman. Excusez-moi, j'aurais juste voulu vous parler un moment, mais je ne veux pas vous interrompre. Non, non, je vous en prie. Tu peux nous laisser juste une minute, merci. Excusez-moi. À plus tard. Je vous en prie. Merci. Vous avez du nouveau? Vous êtes bien son professeur principal cette année? Oui, de français et principal. Ah, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai reçu le bulletin du troisième trimestre, de Léa, et toutes ses notes passent de 15 à 7 dans presque toutes les matières. Elle avait des problèmes avec des élèves ou autre chose? Je ne sais pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai rien remarqué. Après, alors c'est vrai qu'au dernier conseil de classe, certains profs se sont plaints de sa distraction, de son insolence, de ses absences aussi. Je comprends pas. On n'a rien vu. Puis pourquoi on n'a pas été prévenu de ses absences? C'est-à-dire que les élèves qui interceptent les courriers, c'est un classique. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que je n'ai jamais eu aucun souci avec Léa. Alors, c'est vrai qu'elle a souvent des avis très tranchés sur les textes. Elle est souvent péremptoire. Mais c'est toujours pertinent.
c'est fou. J'ai jamais pu lui conseiller un bouquin. J'ai gardé sa dernière dissertation. Elle a eu 17. Je vous la laisse. Merci. Je suis sûre qu'elle va revenir bientôt. J'ai confiance. Bon, merci d'être passé. Il y a du nouveau sur Léon. Tu sais quel type de rapport il entretient avec Nicolas ? Nicolas le... Mais tu restes là ? Mmh. Putain. Elle s'est jamais plainte qu'il avait été trop collant avec elle ? Collant ? Non. Il s'est passé un truc. Chose à me dire, on dirait. C'est le service des lieux. Non, ça. Quand est-ce que t'as vu Jenny pour la dernière fois? Il y a 15 jours. Ouais, les dates correspondent. Bon, écoutez, je suis majeure. Rien qui m'empêche d'aller voir une pute de temps en temps si je veux. Ah ouais, Léa, Chris, les putes. Gros appétit, hein? Sauf que ça, c'est ma vie privée et ça n'a rien à voir avec Léa. Non, mais ça a peut-être à voir avec le meurtre de Jenny. Elle est morte? Assassinée, ouais. Et tous ceux qui étaient en contact avec elle sont des suspects potentiels. Ce serait dans ton intérêt de nous dire quelle était votre relation? Je viens de vous le dire. Ça tient pas deux secondes, t'es plein pute. Qu'est-ce que tu fais avec Jenny? Je viens de vous le dire. Je veux vous voir. Tout de suite. Ça te revient? Hein? Le père de Romain Germain Valette est dans mon bureau, il veut récupérer son fils. Merde. Donc soit vous avez quelque chose pour le mettre en garde à vue, soit il sort. Vous avez 5 minutes? 5, pas 10. Il me manquait. J'ai plus de génie quand j'ai besoin de quelque chose. Du matos. Herbe, coke, MD. Un peu de tout. Tu consommes régulièrement? Non, juste quand je sors. Vous aviez pris quoi avec Léa sur de la fête? Un peu de coke, c'est tout. Quel est le rapport entre Léa et Jenny? J'en sais rien, je les ai jamais vus ensemble. Est-ce que Jenny te faisait chanter? C'est-à-dire? Est-ce qu'elle te menaçait tout révéler à ton père contre de l'argent? C'est que non. Les étudiants sont fonds de commerce, elle nous chouchoutait plutôt. Putain. Vous allez tout dire à mon père, là? Rien nous y oblige. En tout cas, pour l'instant. Bon. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi vous gardez Nicolas? Il a à voir avec la disparition de Léa? Je veux savoir. On n'est pas aux conclusions. Je le garde justement pour essayer d'y voir plus clair. Mais d'ici là, je fais quoi, moi? Chaque jour qui passe, c'est un enfer. Chaque question sans réponse, c'est une torture. Vous comprenez ça? Cette fille qui est morte, là, Jenny. Je sais qu'elle a reconnu ma fille sur la photo. Pourquoi vous ne me croyez pas? Bon, allez, venez. Morel, ce que je vais vous dire est strictement confidentiel. Et pour l'instant, n'apporte aucune réponse, ni bonne ni mauvaise. On est d'accord? On a retrouvé le portable de Léa dans le sac de la fille, Jenny. Elle nous a appelé avec ce portable? Oui. Ah non, ça veut dire quoi? Pour l'instant, c'est la seule piste qu'on ait. Je vous demande de parler de ce téléphone à personne. Ni à votre frère, ni à votre femme. On a trois cartes très intéressantes et très positives. La première, c'est la carte de l'impératrice qui représente Léa. Léa qui veille sur vous, d'accord? Elle est au centre du jeu. Ça signifie, ça, c'est que Léa est vivante. Donc... Là, Julien, bah justement, je voulais te présenter Claire. Tu sais, je t'en ai parlé, c'est elle qui avait Léa. Léa va bien, vous savez. Non, je ne sais pas. Et vous non plus. Non, mais attends, parce que Claire tenait à te rencontrer, c'est important.
Vos énergies peuvent rassurer Léa en ce moment. Je peux vous montrer comment les canaliser. Je vais demander de sortir de chez moi, s'il vous plaît. Non, mais écoute, non, ça suffit maintenant, moi j'ai ma dose. S'il te plaît, non. Je suis désolée, Claire. Je comprends que vous soyez dans le doute, c'est votre droit. Pourquoi tu fais ça? Elle est là pour nous aider. C'est pas avec ces conneries qu'on va retrouver Léa, enfin. Ah ouais? Mais qu'est-ce que tu fais, toi, depuis qu'elle a disparu? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien! T'es là, t'attends, t'attends, mais moi j'en peux plus t'attendre! Pourquoi vous criez? On discute, chérie, c'est tout. Allez, va te recoucher. N'oublie pas, hein. Demain c'est la fête de l'école. Mmh. Mais t'inquiète pas, chérie, n'oublie pas, papa. Vas-y, mon cœur, j'arrive. M'attends pas, je dormirai dans la chambre de Léa. Quelle heure? Trop tôt. Assois. Ce soir, j'ai une fête. Chez qui? Une copine. Et tu rentres à quelle heure? 20h. Salut. Tu me donneras le numéro et le nom de ta copine. Ouais, t'inquiète, je vais te le donner. Ok, merci. Au revoir. Alors, ça va? Ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me gardes aussi longtemps? Pour rien. Non, j'ai le droit de savoir. Mais de quoi t'as le droit de savoir? Je suis fatiguée, là. Bon, Léa, tu me parlais jamais comme ça. Comment comme ça? Oh! Je ne peux plus jamais partir! Viens! Super! Hé, monsieur Morin, arrêtez! On se calme, je ne veux plus te voir au restaurant! On se calme! Jenny était bien toxicomane. Cocaïne? Pas seulement. Héroïne, crack, speed. Les causes de la mort? Une seule. Un coup violent à la tête. Certainement avec un cric ou une barre de fer. Sa mort remonte à 4 jours dans la nuit de vendredi à samedi. Vous pouvez plus passer de moi, on dirait. Eh, mais il est nickel, ton pantalon. Tu reviens du précis, non? Je vous ai déjà dit, moi, j'ai rien à voir dans la mort de Jenny. Bon, la coke. Elle a dit, il est pour ton compte. Je suis au courant. Je connais pas. Sauf elle, dans les journaux. C'est la fille de connard. Celle qui a disparu, non? Alors ça, tu vois, c'est la plainte que le connard a déposée contre toi. Alors soit t'arrêtes de me prendre pour un con et on oublie, soit je te mets en examen pour coups et blessures. L'agression d'un père de famille dont la fille disparue fait la une des journaux, ça va faire bonne impression à l'audience. Oui, je l'ai jamais vue. Elle, si. Elle venait de temps en temps acheter quelques grammes chez Jenny. Bien, 3 ans. Y a pas de refroidir à ses potes. Pas du tout le profil d'une dealeuse.
plutôt celui d'une gamine qui cherchait à se faire un petit peu de thune. Pas mal le coup de la plainte. Enfin, il aurait pu voir. Il sait pas lire. Léa cache beaucoup de choses à beaucoup de gens. Hein. La formule FR, la coke, le cash. Plus on avance, moins on sait sur elle. Je me demande si on ne prend pas les choses à l'envers depuis le début. Ouais. Bon, alors, on vient de finir. Il a fallu comparer plusieurs échantillons de voix pour croiser les données, neutraliser la marge d'erreur. Et ça ressemble beaucoup, mais c'est pas la voix de Léa. Le trésor, t'es dingue. Et la touche finale. Oh, ouais, génial. Fais voir, chérie. Wouah, c'est la classe, hein. Bon, bah, je vais chercher mon sac. Et merci, Chris, il est génial, la vision. Il est où, papa? Papa, il nous rejoint directement à la vache. Eh, hey, c'est top, t'es top en pirate, t'es belle. Moi, je te mets le chapeau. Oui, la livre en princesse, c'est trop nul. Ah oui, c'est vraiment minable. Allez, zou. Oh, dis donc. Les mains qui collent, toi, les affaires. Tu vas te laver? Eh, hey, je te signale qu'un pirate, ça ne sert pas trop les mains. Oui, mais je te signale que même le capitaine Crochet, il obéit à sa mère. Bon, d'accord. Merci. Ça va aller? Ça y est, Jack Sparrow? Non, t'en mets partout, Zoé! Oh là là, t'en mets partout! Madame Roger? Oui. Madame Roger, votre collègue m'a dit que je pourrais vous trouver ici. J'aurais quelques questions à vous poser au sujet de votre fille, Jenny. Ma fille s'appelait Véronique. Je n'ai rien à vous dire. Écoutez, je comprends que ce soit difficile pour vous, mais j'ai vraiment besoin de vous parler. J'ai pas le temps. Madame Roger, je vais vous faire entendre un message enregistré sur un répondeur. J'aimerais que vous me disiez si vous reconnaissez la voix. Non, écoutez. C'est la voix de Véronique. Vous en êtes sûr? Oui. Ok, merci. Ouais. Je vais lui prendre des bonbons, ça va lui faire plaisir. Excuse-moi, comme t'es trop dur là, c'est difficile aussi pour lui. On peut servir? Bonjour. Puis sans déconner, je vois pas ce qu'il a fait à part se comporter comme un homme de 20 ans qui avait envie d'être avec ses potes. Tu peux pas continuer à le culpabiliser comme putain, ça. Mais de quoi tu parles? T'as des enfants, toi? Tu sais ce que c'est que d'être mère? Excuse-moi, pardon. Je vais chercher à boire. De Léa ou Romain, rien d'autre n'a de lien. Faut que j'y aille, je dois absolument passer voir ma mère. Ouais, je suis sûr qu'on passe à côté de quelque chose. Venue. Ouais. On va prendre un café? Non, j'ai pas le temps, je... Je veux juste te demander un truc. Tu sais pas, toi, ce qui s'est passé entre Léa et Nicolas. C'est passé ce qui se passe toujours entre les mecs et Léa. C'est-à-dire... Elle a laissé Nicolas la draguer, l'embrasser. Elle a un peu joué avec lui et... Quand il est tombé red dingue d'elle, elle l'a plus calculé.
Une brevetée de Léa. Pourquoi tu parles d'elle comme ça? Parce que c'est sa distraction préférée. Tu vois tes sentiments des gens. T'es bien placé pour le savoir, non? Putain. Bon, hommage à mon valet. Je vous cache pas qu'avec les connexions de ses parents, ça m'arrangerait qu'il ait rien à se reprocher. Il a acheté un peu de cocaïne à Jenny. Il n'a rien à voir avec ça. En ce qui concerne Nicolas, on n'a rien de probant contre lui. Encore une garde à vue qu'on réservait à rien, quoi. Ça sert toujours à quelque chose. C'est pas forcément tout de suite. Et pourquoi la prostituée a appelé Julien Morel en se faisant passer pour sa fille? J'aimerais bien le savoir. Surtout qui le lui a demandé. Mais dans quel but, surtout? Il n'y a pas eu de demande de rançon, il n'y a pas d'autre appel, ça n'a pas de sens. Sauf si ce message servait à faire diversion. Préciser. Nous envoyer vers la gare pour nous éloigner de Miribel. Alors vous reprenez les recherches là-bas dès demain. Ok, mais à mon avis, s'il y a des pistes à brouiller à Miribel, c'est déjà fait. Hein. Sérieux? Mais ah, tu comprends pas ce qu'ils disent? On a bougé chez Greg. Ouais, il y avait tout le monde. Ah, c'est fort ton truc. C'est ça. Je suis désolée. Ça va? Putain, t'es dégueulasse! J'aime pas les trucs comme ça, c'est crade, c'est sale. T'es pas cool là, ça va? C'est sale. C'est pas un cas. C'est un crado.